Alors, expliquer le walking à quelqu'un qui n'a aucune notion, c'est pas très compliqué. C'est un style de danse. C'est une danse urbaine, c'est une danse sociale qui a été inventée, créée dans les années 60 à Los Angeles, en Californie, et qui se danse sur de la disco. Et c'est une danse très particulière et qui m'est très chère. Pourquoi ? Parce qu'elle a été inventée, créée par la communauté LGBT, noire et latina du Los Angeles des années 60. Le seul endroit un petit peu de reconnaissance, de retrouvailles, mais aussi de résistance, de résilience, c'était le club. En fait, le club, c'était vraiment un espace d'échange qui était très important et qui était très politique en soi, même s'il n'y avait pas forcément une conscientisation littérale autour de ce moment de retrouvailles. C'était très politique parce que c'était la communauté LGBT, donc gay, drag queen, principalement, noire et latina, donc doublement, voire triplement opprimée. Dominés, qui se retrouvaient en club pour pouvoir respirer, exister, se sentir légitime, se sentir validé, et qui a créé cette danse, le walking, qui s'appelait pas le walking à la base, mais qui s'appelait le punking. Parce que punk, la signification première de punk, c'est TPD. À la base, c'est une insulte. Et du coup, cette communauté LGBT, qui est très forte en résilience, a fait ce qu'on appelle le retournement du stigmate, qui est de prendre une insulte et d'en créer une identité et d'en créer une force. Et du coup, c'est dit, vous nous insultez de punk, et on va en faire une identité, et on va en faire une danse qui s'est appelée le punking. Donc le punking, c'est beaucoup d'attitude, beaucoup de drama et beaucoup de déplacements assez divaesques, disons, qui s'inspirait beaucoup du cinéma hollywoodien aussi des années 20, avec vraiment ces espèces de poses que nous on trouverait un peu cheesy, mais qui était très classique à l'époque, où il fallait attirer la lumière comme ça, faire des grandes poses de tapis rouge, etc. Walking vient du verbe walk, qui en anglais veut dire c'est nul. Donc si je te regarde et que je te dis girl you walk today, ça veut dire tu ressembles à rien aujourd'hui, c'est pas bon ce que t'es en train de porter, c'est pas bon ce à quoi tu ressembles. Du coup, même principe, walk, réappropriation, retournement du stigmate, et ça a donné walking, parce qu'à l'époque, comme c'était une danse et une communauté qui se retrouvait beaucoup sur la disco, il y avait beaucoup de manifestations anti-disco. Donc, comme je dis à chaque fois, chacun sa lutte. À l'époque, aux États-Unis, on estimait que faire des manifestations anti-disco, c'était très important. Bien entendu, le sous-texte était que les seules personnes qui écoutaient de la disco, c'était la communauté LGBT, a fortiori noire et latina, et que du coup, être anti-disco, c'était être de façon assez décomplexée, homophobe et raciste. Et du coup, il y avait des panneaux qui disaient « disco sucks »,« disco wax ». Il y avait beaucoup de rallyes, de démos, etc. contre la disco. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette réappropriation de l'insulte pour en créer cette danse qui s'appelle aujourd'hui le walking et qui a un héritage qui est mondial et qui ne cesse d'augmenter. Le walking est né donc dans les années 60, sur la côte ouest, et le voguing est né plutôt dans les années 70, fin des années 60, début des années 70, sur la côte est, à New York. Donc, il n'y avait pas Internet, évidemment. Donc, les échanges se faisaient au travers des danseurs qui allaient plutôt de la côte ouest à la côte est et qui voyageaient entre ces deux espaces-temps et qui voyageaient aussi entre ces deux danses et ces deux disciplines. Ce qui fait que dans pas mal de balls, donc les balls sont les compétitions de voguing, puisque le voguing n'est pas vraiment le nom de cette communauté, c'est une communauté qui s'appelle la ballroom scene, dont les compétitions s'appellent des balls. Le voguing n'est que la partie dansée de cette communauté qui est bien plus large que juste le voguing. Dans les premiers balls, il y avait une catégorie walking. Donc il y a eu quand même pas mal d'échanges entre les deux, et ce qui n'est pas hyper étonnant, parce que même si les techniques de danse, de ces deux danses sont très 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 différentes, parce que moi qui pratique les deux, je le sais, je le sens, c'est très très différent, ça ne se danse pas sur la même musique, c'est pas du tout les mêmes énergies, mais effectivement, il y a une sorte d'identité de fierceness, comme on dit en anglais, qui est quand même assez similaire, où l'idée, c'est un peu de feel yourself et d'exploiter ce personnage un petit peu de diva du dance floor, quoi. Le walking, pour moi, c'est politique dans la mesure où c'est un outil féministe de réappropriation de son corps, parce que c'est quand même une danse, en tout cas une forme artistique, une pratique artistique qui te dit que ton corps est valide,
que ta beauté est valide et que chacun, chacune est libre de ses mouvements. C'est une danse hyper libre, c'est une danse d'échange, c'est une social dance, comme je disais au départ, où l'idée, c'est vraiment de communiquer avec l'autre à travers ses mouvements. Donc bien sûr, il y a une technique de danse à apprendre, comme n'importe quelle autre technique, en fait. Mais une fois qu'on a cette technique qui est un petit peu digérée, c'est vrai que c'est une danse assez libre, où on peut apporter, en fait, son identité. Donc tout ça, pour moi, ça fait partie de mon féminisme, qui n'est pas un féminisme immobile. J'aime qu'il soit un féminisme mobile, qu'il soit un féminisme en mouvement, d'où, moi, mon utilisation de la danse, notamment du walking, mais du voguing aussi, comme outil d'empowerment, quoi. D'empuissancement, comme on dit en français. C'est moins joli, mais bon. J'essaie d'arrêter le franglish en ce moment. C'est pas facile. Les